Bonjour John Scheid. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique. Et au cœur de votre approche de la religion romaine, il y a ce souci d'aller à la source. Parmi les sources, il y a les sources livresques. Et de ce point de vue, Tite-Live nous a laissé, d'après ce que vous dites, un corpus assez important pour bien décrire ce qu'était la religion romaine. Absolument. J'insiste toujours sur le fait qu'on fait l'histoire, certes avec des idées, avec des théories, mais surtout avec des sources, c'est-à-dire des documents de toute nature. Et cette année, je compte m'occuper d'un gros corpus écrit, une histoire de Rome, des origines, jusqu'au début de notre ère, jusqu'au règne d'Auguste, à l'époque où Tite-Live a écrit. Et Tite-Live raconte la vie de l'État romain, de la cité romaine, sous tous ses aspects, à partir de la période mythique où on n'a que des légendes, et il réfléchit sur ces légendes, ce qui est intéressant, et puis jusqu'en son temps. Et à mesure que le temps avance, mettons à partir du IVe siècle, du IIIe siècle avant Jésus-Christ, il devient de plus en plus précis parce qu'il a des documents. Et il nous décrit de façon très précise la vie de l'État romain et de la société romaine. Et dans la mesure où, à Rome, la religion fait partie des obligations civiques, comme le fait de payer les impôts, d'aller voter ou de s'occuper du bien de l'État, eh bien, il parle évidemment à toutes les pages de religion, sous tous ses aspects. J'ai souvent travaillé, comme tous mes collègues, sur tel ou tel chapitre ou période ou anecdote ou événement, mais là je voudrais une fois rassembler le tout, faire une lecture cursive, comme ça, du début à la fin de l'ouvrage, ce qui en général apporte beaucoup, parce que nous sommes tous dans la recherche et même dans l'enseignement des hommes et des femmes de l'extrait. On ne trouve pas toujours le temps pour relire le tout, parce que c'est quand même assez épais. Et une fois qu'on fait cela, on découvre 1000 choses, et on a là un petit manuel, si l'on veut, que je sors, que j'exporte de ce texte sur la religion romaine.